Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mes favoris du mois de novembre. Alors j'en ai pas spécialement beaucoup, mais j'en ai quand même quelques-uns. J'ai un peu de tout en plus, hein. J'ai fait une petite sélection assez large. Donc je vais commencer par le premier truc qui vient. Donc ce sera mon... D'ailleurs j'ai oublié un truc, attendez. Alors ce sera mon fond de teint de chez L'Oréal, donc l'accord parfait. Qui est juste une tuerie. Donc moi c'est la teinte ivoire rosé. Donc je vais vous le montrer en direct live. Et en fait son côté un peu rosé atténue mon côté jaune en fait. C'est un fond de teint assez couvrant, mais pas trop. Ça vous fait une mini revue là. Donc, vous voyez la différence entre le haut et le bas. Il fait un petit teint assez frais. Ça me fait penser que j'ai pas mis de base, mais bon, à la limite, c'était juste pour vous montrer. Ça fait un petit teint assez frais, assez agréable. Ensuite, je vais vous présenter donc mon anti-cerne que j'adore, que j'ai depuis maintenant 2 mois et que j'adore, c'est le Studio Finish de chez MAC. Donc quand je l'aurai fini, par contre, sachez que je ne le rachèterai pas, enfin, ou peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que je rachèterai le Pro Long à la place, j'achèterai pour le Longwear, à moins que je l'achète avant. Donc moi, c'est la teinte NW15, donc la plus claire, parce que moi, je suis blanche. Donc je vais essayer de vous... J'ai pas spécialement beaucoup de cernes. Mais moi j'utilise surtout pour... Pour ma famille de moutons. Et j'avoue que ça couvre, il couvre pas mal. Donc là je l'ai bien creusé. Parce que ben, j'utilise tous les jours et c'est une texture vraiment très épaisse. Donc du coup vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça couvre. Sa texture fait un peu plastique. Son odeur aussi d'ailleurs. Mais moi je l'aime beaucoup, cet anti-cerne. Son moins rouge. Voilà. Ensuite, je suis en train de me maquiller en même temps. Hein. Dans l'ordre, hein, qui sont en face de moi. Donc le problème c'est que bon bah là trop tard je vous ferai pas de démo, mais tant pis. C'est ma base de chez Make Up Forever, donc la teinte 02, donc c'est la mauve, celle qui illumine les teintes brouillées et les carnations jaunes. Donc moi c'est vrai que j'ai un petit peu la tronche jaune, donc quand vous appuyez, elle sent bon déjà, et quand vous appuyez, vous voyez, ça fait une espèce de pâté violet, et quand vous étalez, vous n'avez pas la tronche violette. Pour assurer. J'aime beaucoup l'odeur. Donc elle fait très bien tenir le maquillage, elle matifie un peu, etc. Non, elle est très bien. Ensuite, c'est un baume à lèvres de chez Carmex qu'on avait eu dans la Little Box. Alors laquelle, je me souviens plus, il y a 2 mois, 2 ou 3 mois. Je ne sais plus c'est laquelle, tant pis, on s'en fout. Donc moi, c'est le classique. Donc, je vais vous montrer, il y a un gros trou dedans parce que je l'utilise tous les soirs. Il sent le Vicks Vaporum. Donc il est vraiment très très bien. Je vais pas vous faire un dessin là-dessus. Ensuite, c'est mon parfum de chez Yves Rocher. Donc les plaisirs nature. Donc moi, c'est celui à la framboise. Il sent trop bon. Il y a celui à la mûre aussi qui sent super bon. Voilà. J'adore leur parfum. D'ailleurs, pchit. Bon, par contre, c'est vrai que c'est pas des odeurs qui tiennent des heures et des heures, des jours et des jours. C'est sûr qu'il faut en remettre de temps en temps. Mais ça existe en tout petit flacon. Et dans le sac, c'est très bien. Ensuite, un gel douche. Donc mon gel douche préféré de chez Cottage, celui au sucre de violette. Que je surkiffe. Je suis en amour devant lui. Donc celui-là, il est tout neuf. Il sent juste terriblement bon. C'est une tuerie, c'est une douche. Donc c'est une douche gommage.
Il y a des petits grains dedans, des petits grains de sucre. Ensuite, nous allons repartir dans le maquillage. Enfin, dans le maquillage. Les pinceaux plutôt. Et donc, c'est mon Kabuki ELF. Donc, je ne l'ai pas depuis très très longtemps. Mais je l'ai reçu fin novembre et je l'ai utilisé presque tous les jours en fait. Et je l'adore. Il est doux, il est parfait. Par contre, vous voyez, comme j'ai dit dans mon haul, il est coupé de travers. Mais bon, ça c'est pas grave. Ensuite, deux produits pour les cheveux, donc toujours les mêmes. Le Graphite Stellar et mon Vive la Révolution. Donc le Vive la Révolution, je suppose, j'en est à ma 10e bouteille au moins. Donc celle-là, elle est déjà à moitié vide. Parce que j'achète en petit. Et mon Graphite Stellar, ça y est, j'ai fini par arriver au bout. Il est à la moitié. Et ça s'use pas très très vite, cette petite chose-là. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir les cheveux recouverts. Sachant que moi, je mets ça partout. Et ça, je mets sur les pointes. Et après, je laisse tout poser ensemble. Et c'est topissime. Ensuite, un produit visage. Donc, c'est mon Eau Florale de Romarin. Donc, matifiante. Alors ce produit, donc j'en suis ici, donc j'ai presque fini. Quand j'aurai fini, je vais le racheter. Donc c'est une odeur très très forte, mais ça reste pas sur la peau. C'est pas quelque chose qui va vous... Enfin, c'est pas quelque chose qui reste sur la peau. Ça sent bon quand même, je veux dire, ça sent le romarin quoi. Et c'est matifiant, et ça c'est vrai, donc moi j'en mets surtout, j'insiste bien ici. Parce que ben, moi j'ai la peau grasse, désolée, je regarde toujours les comptes de contrôle, parce que en fait, je me regarde faire pour être sûre que je vous montre les bons endroits. Donc en fait moi j'en mets surtout ici, ici sur la zone T quoi, parce que c'est ici qu'on a, alors, les filles à la peau grasse, c'est surtout ici que ça brille, voilà. Donc ça c'est top. J'ai acheté à Leclerc pour celle qui s'intéresse. Ensuite, un masque de chez Nivea, donc ça j'avais déjà présenté dans mes favoris, top flop je crois. Donc c'est des masques qui se présentent par deux. Donc il y en avait un ici que j'ai fini, que j'ai utilisé. Donc par contre ça pue l'alcool à des millions de kilomètres. Donc c'est pour ça que évidemment ça vous nettoie la peau. Ça vous décape quoi. C'est juste une... C'est horrible. Donc moi je le fais pas souvent parce que sinon avec mes boutons c'est même pas la peine. Donc quoique le produit qu'on m'a donné pour mes boutons ça pue l'alcool à des millions de kilomètres aussi. Mais bon ça marche. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc ce sont deux petites pochettes de 5 ml chacune. Donc vous posez ça sur le visage, vous laissez poser 15 minutes, ça sèche, après vous retirez en fait. C'est vraiment un film, ça s'enlève tout seul. Et c'est très bien, franchement ça marche très bien. Après c'est sûr si vous n'aimez pas les produits à l'odeur forte d'alcool et tout, mais laissez tomber, franchement laissez tomber. Ensuite, un démaquillant que j'avais dans mes placards depuis un moment, mais que je n'utilisais pas parce que j'en ai des pleins. Donc c'est le super démaquillant aux yeux waterproof de chez Sephora. Donc vous voyez je l'ai un petit peu quand même utilisé. Tout ça, et ça descend pas super vite, ça va. Alors ça c'est vraiment une tuerie internationale. Je savais que c'était bien. Donc c'est un petit phasé. Donc moi j'ai les deux, j'ai le super démaquillant, enfin j'ai le waterproof et j'ai le normal. Donc le normal je l'ai pas utilisé encore, il est quelque part. Et il est là. Donc enfin si j'ai dû l'utiliser une ou deux fois. Mais je préfère le waterproof parce que bah voilà. Bref, on s'en fout. J'aime bien son effet huileux, etc. Et il pique pas les yeux, il enlève très bien le maquillage en un seul passage. Il est top, il est top. Franchement, il est très bien. Que dire? Ensuite, un masque. Non. Ensuite, ce sera ma poudre. Donc ma poudre de chez ELF, donc là celle qui a 4 poudres, donc qui est très bien, que j'utilise avec mon Kabuki. Hop là, oui, on va le mettre maintenant. Et donc en fait ce que je fais c'est que j'utilise beaucoup le vert sur mes boutons. Et ça annule la rougeur de mes boutons. Surtout quand comme une idiote je viens de les gratter, etc. Donc ils sont rouges. Et bien ça annule vachement bien. Par contre, très regrettable, ça doit faire une semaine, deux semaines que je l'ai en même temps que le Kabuki quoi. Il y a déjà un trou. Il y a déjà un trou, c'est bête. Vous me permettez en même temps, je me... Hein. C'est bête, ça s'use très très vite. Mais sinon, elle est très bien. Elle est douce, elle est agréable et en plus elle coûte pas cher. Donc
Autant jouer. Autant. Comment on dit ? Je sais plus comment on dit. Joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Voilà. Et ce kabuki. Ensuite, ce sera mon kit à sourcils de chez Sleek. Donc ça, j'avais fait dans un haul, mais je crois que je ne l'ai pas mis en ligne encore. Enfin, j'avais présenté dans un haul, je ne l'ai pas mis en ligne encore. Ça devrait se faire. Donc, voilà. Donc c'est le Dark, et je vais vous le présenter plus parce que je l'ai fait dans le haul. Qui est très très bien. Alors la cire est très pigmentée. Vous voyez ? La cire est très très pigmentée. C'est, enfin, moi je trouve très bien. Bon là j'ai un petit peu foiré, mais c'était vraiment pour vous montrer. D'ailleurs bon, je suis nulle en sourcils. Donc après vous avez une poudre donc avec un pinceau plat. Donc qui est elle aussi très pigmentée comme vous pouvez le constater. Voilà, donc c'est vraiment mis à l'arrache, hein. Mais ce produit est top. Je l'utilisais à chaque fois pour faire mes sourcils. J'en ai un de chez ELF, mais je dis pas de mal de ELF, mais c'est vrai qu'il n'est pas top, top, top. Enfin, je veux dire, la cire est pas très pigmentée. C'est vraiment pas droit, hein. Vous êtes d'accord avec moi, hein. Ensuite, un crayon à non-œil. Donc... un 24-7 de chez Urban Decay. Donc c'est le perversion. C'est celui qui était avec la que je dis pas de bêtises, la Smokehead. Qui est juste une tuerie, vous voyez. J'appuie même pas. Hein, Regardez, je vous montre. J'appuie pas, hein, vous avez vu. Donc un noir pigmenté de ouf. Non, ça, il est terrible. Il est terrible, il glisse. Je l'adore. Que dire à part que j'aime. Non, il est pigmenté à mort. Alors par contre, vous voyez, une fois qu'il est sec, il est sec. Donc faire du liner, celles qui mettent ça en ras de cils supérieur et qui veulent le smudger, faites-le tout de suite, quoi. Faites un œil par un œil parce que une fois qu'il est sec, il est sec. Ensuite, donc cette fois je vais vous montrer un mascara de chez Bourjois, donc le Volume Glamour Max, donc que j'aime beaucoup parce qu'en fait je kiffe sa brosse. Regardez la taille de mon œil. Voilà, donc il fait des cils super beaux, pas trop de paquets, donc je l'ai beaucoup 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 utilisé. Voilà, je l'ai beaucoup beaucoup utilisé, il n'a pas détrôné mon Lancôme, non non je vous rassure parce que mon Lancôme c'est mon Lancôme, je l'adore. Mais voilà, que dire, à part qu'il fait des cils juste magnifiques. Ensuite, donc deux favoris assez spéciaux, mais que je voulais vous montrer parce que je les adore. Donc c'est deux bougies, donc enfin, une bougie et une tartelette. Donc la première, c'est une de chez Yankee Candle, donc c'est la Baby Powder. Oh, tu vas te pousser mon doigt. Donc c'est la Baby Powder, donc ils disent que ça sent le talc pour bébé. Enfin, c'est ça que ça veut dire, talc pour bébé. Et moi, je sais pas, je trouve pas que ça sent le talc pour bébé. Je trouve que c'est trop parfumé pour faire office de talc pour bébé. Mais c'est une odeur top, ça sent la rose. Et franchement, j'adore. Alors, je l'ai fait un peu brûler. Oui, normalement, elle arrive là. Je l'ai fait un peu brûler et je ne la referai pas brûler. Je l'adore trop. Tant que j'en aurai pas une deuxième, je ne la referai pas brûler. Je l'adore. Et je compte l'acheter en...
en big. Et ensuite, ce sont les tartelettes. Donc, c'est celles à la fraise. Qui sentent juste la fraise, c'est sûr. Mais on sent vraiment que c'est... je sais pas comment dire. La fraise sucrée, vraiment très sucrée. Et ça sent juste terriblement bon. Moi, je mets ça dans mon... Je mets ça dans mon brûle-parfum et ça m'embaume toute ma chambre. Je l'éteins et l'odeur reste très longtemps. Et c'est juste un top de top. Alors j'en ai d'autres hein, que j'aime beaucoup, notamment... fraise à la chantilly. Ouais, fraise à la chantilly que j'ai presque terminée. J'en ai... sais plus vanilla cupcake, vous voyez je n'utilise pas beaucoup parce que bah j'aime trop son croupon et gâteau, donc voilà j'essaye de pas trop les utiliser parce que bah je les aime beaucoup tout simplement et ça m'embêterait de plus les avoir. En fait je les utiliserai quand j'en aurai une deuxième et ma préférée vraiment de tous les temps c'est celle-ci, mais en fait je l'ai finie en octobre, donc du coup je pouvais pas vous la mettre en novembre. C'est donc celle-ci, c'est Soft Blanket. Donc ça sent plus rien. Donc je les ai bien nettoyées et tout. Et j'ai mis mes jumbos dedans. Recyclage quand tu nous tiens. Donc voilà les filles, j'espère quand même que ça vous aura plu. Donc c'est mon petit favori du mois de novembre, donc il n'y a pas grand chose non plus. Mais voilà, il fallait la faire, donc je l'ai fait. Tout simplement. Donc les filles, je vous fais des bisous et puis bah je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.